ceux de Spawner Radio qui nous écoutent, écoutez. Ça, évidemment, c'est, on dit, ce sont plastrons. La cuirasse, évidemment. Alors, comment vous vous appelez? Ah, ok, Giuseppe. Giuseppe, Calado, si, elle a le, on peut l'applaudir, ça, les mecs, c'est la classe. Le mec, il est là, encore, et en plus, le mec, le mec, il s'appelle Jean-Pierre. Giuseppe, le rêve. Eh bah oui, c'est génial. Ça. Bah, Giuseppe, c'est un peu Jean-Pierre en italien. Ah ouais, on va pas se mentir. Ah, merde. Les légionnaires, c'est voilà, c'est ceux qu'on voit se faire un peu, on va dire, défoncer dans Obélix et Astérix. Hein, c'est un peu ça l'histoire. Oui, mais voilà. Dans les arènes de Nîmes, c'est toujours eux qui gagnent. C'est toujours eux qui gagnent. Alors, il va y avoir quoi? Des combats? Comment ça va se passer? C'est ça, des combats de gladiateurs. Combats de gladiateurs. À l'époque. Bah, donc, et après, des grandes batailles. Et entre... c'est génial pour les enfants, non, j'imagine. Ah oui, mais c'est un les enfants, ils deviennent dingues. Spectacle familial, hein, absolument. Ouais, ouais. Ah, on a top. Tous 1000 spectateurs dans les arènes. Génial. Ça va être génial. Bon, et on a regardé vite fait les répétitions. Non, mais hier, on a pu accéder. C'était génial. C'est du grand spectacle. Genre, et c'est est-ce au que niveau, le public, par exemple, participe comme à l'époque? C'est-à-dire, est-ce qu'on lève ou est-ce qu'on baisse le pouce? Et est-ce qu'il y a vraiment. Parce que nous, à l'entrée, on distribue des petits mouchoirs de couleurs. Ah, okay. Chacun vote pour son gladiateur. Ah non, c'est plus préféré. Sympa. D'accord. Rouge, vert, blanc. On a trois couleurs, on fait trois catégories de public et ils votent pour leur favori. J'aurais bien vu Giuseppe avec un lion. Mais ça, c'est mon délire. D'un côté, le lion et tout ça, de l'autre côté, la calzone et tout. C'est mon délire. Je te jure, j'adore l'idée. C'est top, merci beaucoup. On applaudit nos invités, s'il vous plaît. Profitez si vous êtes dans la région. Les journées romaines, je peux vous dire que ça vaut le détour. Franck Vêtre, votre prof de patois nîmois ce matin. Ça génial. Rend, quand tu arrives dans une ville, quand même, de parler le patois nîmois. Je vous proposais quelque chose. Bah, quand t'arrives à Nîmes, surtout, parce que... Oui, c'est vrai. Quand t'arrives dans une ville, tu parles le patois nîmois. Mais pourquoi pas? Bon, en tout cas, quand t'arrives à Nîmes, tiens, par exemple... T'arrives à Nîmes, comment on dit donc? Alors, pas toi ni moi. Par exemple, on va dire bonjour et bienvenue bonjour. À Nîmes, je suis heureux de vous recevoir. Par exemple. Vas-y Franck, alors écoutez bien. Alors, bonjour. Bonjour, ouais. Et bienvenue. Jusque-là, on va y arriver. Ouais. Alors, vas-y. Bonjour. Bonjour et bienvenue à Nîmes. Alors, pas mal. Alors, attention, c'est à vous. Quel est votre prénom? Giuseppe. C'était toi qui étais en romain tout à l'heure. Tu peux nous le redire rapidement, Franck, vas-y. Bonjour et bienvenue à Nîmes. Vas-y. Buongiorno, bienvenue à Nîmes. C'est génial, applaudissements, génial. Attention, deuxième phrase. Bon, imagine, on rencontre quelqu'un dans la rue, on veut se faire un rencard. Alors, la phrase. Préfères-tu me voir à la bibliothèque ou autour d'un bon verre de pastis? C'est important. Ah non, on a tout misé sur des phrases simples. Ah ouais, là, vous avez géré. Alors, vas-y. Alors, MS Mai Ben à la bibliothèque ou bien un bon beire de pastaga. Enfin moi j'ai entendu deux mots. Hein. Ouais, tu peux nous le redire rapidement un coup, vas-y Franck. Alors, MS Mai. MS Mai. MS Mai à la bibliothèque. Vas-y. MS Mai à la bibliothèque. Ouais. Beire à la bibliothèque. Si. Ou beire un bon beire de pastaga. Superbe. J'ai trouvé une candidate. Attention, alors c'est à vous, c'est parti. Je me rappelle plus. Et ben voilà, c'est très bien, super. Ah, attends, c'est c'était dur. Long, la phrase était longue. Alors allons-y. Tiens, on va s'en faire une autre qui peut être utile. Acceptes-tu que je t'embrasse sur la bouche? Pas de suite. C'est ça. Tu le dis comment en nîmois, Franck? Acceptes-tu que. Ouais. Ouais. Alors, vos bien était faigum poutou. Ah, une poutou. Oh. Suce la bois ou quoi? Je sais. Ça rappe. S'il te plaît. On va juste faire le début de la phrase. Hein? Tu peux nous le refaire rapide? Allons-y. Vos bein. Qu'était faille un poutou. Vos bein, ça veut dire est-ce que tu veux bien? Ouais, voilà. Qu'était faille, que je te fasse. Qu'était faille. Ah, que c'est faille. Un poutou, un bisou. Eh ben voilà, regarde. Une poutou. Ou alors, voilà. Je sais pas ce que je te fais, mais ça va déraper. Alors, est-ce que tu veux que je t'embrasse sur la bouche? Enfin, pardon. Enfin, c'est la phrase à traduire, je vous prie de m'excuser. C'est à vous. Fosbeille, un poutou. C'est génial. Voilà. Bravo. C'est énorme. Il bon, y a un poutou à la bibliothèque. Ouais. Ou une pastaga. Quand on bébert des pastagas. Écoutez, le programme de cet après-midi, on l'a. Hein. À la bibliothèque allongée, avec un bouquin sur les yeux et le pastaga. La vie, quoi. Merci, on vous applaudit merci, en tout Franck. Cas. Nîmoise et notre ami Franck qui est venu nous rendre visite. Et merci pour votre bonne humeur.